السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. شهد وردت في الفرنسيين على شهادة مؤثرة جدا من هذه المرأة الفرنكو جزائرية. تابعوا معنا هذا الفيديو. Mais je veux bien. Allez-y. Yann Boussalima, donc je viens de la fédération de Damary, en Seine-et-Marne. Et je viens apporter un témoignage complètement personnel de mon vécu, et qui, à mon sens, explique aussi ce qui se passe. Alors, je repars il y a 20 ans, je ne ferai pas les 20 dernières années. Hein. Merci beaucoup. Je repars il y a 20 ans, un jour où ma mère m'a dit « Tu sais ma fille, tu pourras faire ce que tu veux, tu ne seras jamais considérée comme une Française. » Ce jour-là, je me suis battue avec ma mère en lui disant que si, un jour, ça arrivera. Et puis aujourd'hui, avec les événements qui se sont produits, j'ai malheureusement pris conscience qu'elle avait et qu'elle a raison. Et je vais illustrer un petit peu mon propos. Alors j'ai préparé des feuilles pour essayer de pallier à l'émotion. Je pense que le problème de fond qui n'a pas été du tout soulevé est un problème de reconnaissance de la société, de ces gens issus de l'immigration. Et j'en fais partie, j'ai grandi dans un quartier d'Aulnay-sous-Bois, dans le 93. Et cette reconnaissance, elle n'est jamais venue. J'ai 40 ans et toujours on me renvoie à mon arabité. J'ai, comme Anne dans Barbe Bleue, attendu. Au lendemain de ces événements monstrueux, j'ai guetté, mais je n'ai rien vu venir. Donc je souhaite aujourd'hui, puisqu'on est entre nous, dire certaines choses. Dire que ces jeunes qui ont commis ces affreusités sont avant tout des Français et qu'ils doivent être considérés comme tels jusqu'à la mort. Moi, je me pose la question, Maurice Papon, qui est aussi affreux que ces gens-là, lui, on ne s'est pas posé la question de savoir où est-ce qu'il allait être enterré. Il a été enterré en France. On n'a pas cherché à l'enterrer en Algérie ou au Mali. Et toutes ces blessures s'accumulent au fur et à mesure. Toutes ces blessures s'accumulent au fur et à mesure, même d'une personne comme moi qui a tout fait pour être intégrée. Alors, je vais en revenir à la politique, puisque nous sommes au cœur de la politique. Croyez-vous que tous ces jeunes, et j'en fais partie, vont continuer à accepter d'être des alibis et des faire voter? Effectivement, je me suis engagée en politique pour être représentant, pour représenter la France d'aujourd'hui. Et comment croyez-vous que je puisse prendre le fait que, dans mon département, le président du Conseil général a annoncé avoir rajeuni les futurs candidats aux élections départementales, et que dans mon canton, on a choisi une femme de 70 ans à ma place. Certes très jeune, mais voilà. J'ai cherché à comprendre, hein, bien évidemment, je cherche toujours à comprendre. On m'a répondu qu'elle était rassurante. Je suis étonnée de vous voir encore dans la salle, parce que je pense que je fais très peur. À qui, je ne sais pas. L'école, je parle très rapidement, hein. L'école, et j'en parle avec d'autant plus d'émotion, puisque je suis directrice d'école, enseignante et formatrice d'enseignants. Donc, on a parlé de la laïcité à l'école, etc. Il n'y a aucun souci, il faut le faire. Moi, j'ai été choquée, en tant qu'enseignante, qu'on puisse emmener un élève de 8 ans au commissariat quand il tient des propos, certes, inconcevables, mais moi, la pédagogue que je suis, ne soutient absolument pas, et la directrice que je suis ne soutient absolument pas ces actes-là, puisque, en tant que pédagogue, il s'agit de déconstruire chez ces enfants, chez ces citoyens en devenir, ce qu'ils pensent. Et pour savoir ce qu'ils pensent, il faut leur permettre de pouvoir le dire en toute sécurité, hein, en toute sécurité par rapport à leurs enseignants. Vous savez, au lendemain de l'élection de Jean-Marie Le Pen au premier tour des présidentielles, des enfants sont venus me dire qu'ils étaient contents et qu'ils espéraient
que Jean-Marie Le Pen soit président pour chasser les Arabes et les Noirs. Ai-je porté plainte pour propos racistes? Non, j'ai construit une séquence d'apprentissage sur ce qu'est être français et je l'ai mise en œuvre dans ma classe. Je suis désolée, hein, il faut... Ouais. La radio. Pendant l'affaire Mera, j'écoute la radio le matin en allant à l'école. Et le journal commence par ses propos. Mohamed Mera, d'origine algérienne, et a fini par le français Karim Benzema a marqué pour le Real. Que pensez-vous que je puisse ressentir quand on entend cela? La laïcité, j'en dis deux mots. J'ai une page, mais j'en dis deux mots. La commission Stasi sur la laïcité en 2003 s'est résumée à un interdit, le port du voile, alors que, à mon sens, ce qui est important, c'est de fixer des règles de vie en commun. Mais ces règles doivent s'appliquer à tous. Comment accepter que des élus aillent honorer des saints, mettre des crèches au beau milieu d'une mairie au nom de la tradition? De quelle tradition parle-t-on? De quelle tradition parle-t-on? De la tradition judéo-chrétienne. Cela relève donc d'une croyance et ce n'est pas plus laïque que le port du voile. Je finis mon propos puisque j'en ai encore trois pages, mais voilà. Moi, je pense que, et ça c'est mon ressenti, que si tout cela continue, s'il n'y a pas une vraie reconnaissance par la société, et elle passe par tous les moyens, les pubs que j'appelle Nutella, il y en a marre. Nous aussi, on est consommateurs et on veut être représentés aussi dans ces pubs. Merci beaucoup. Deux secondes. Je pense qu'il est encore temps d'enrayer ce problème. Ne laissons pas passer ce rendez-vous avec la République et tous ses citoyens comme cela a été fait lors des émeutes de 2005. Encore une phrase. Prenons le problème à bras-le-corps et avec la même audace et le même courage que pour le mariage pour tous, soulevons le tapis et allons chercher tout ce qu'il y a de caché. Construisons ensemble un pays où nos différences seront des atouts et nos ressemblances une force. Merci. Alors, j'appelle maintenant Fanny Chappé au micro. Fanny Chappé. Bonjour madame. Alors allez-y, présentez-vous. Avant de me présenter, je voulais effectivement l'applaudir également parce que voilà. Merci en tout cas pour son intervention. Donc Fanny Chappé.